toute disposition de sécurité prend pour installer nouveau premier ministre paysan Didier Fizeme dans villa d'accueil. Donc on a remarqué et présence force multinationale là, plusieurs policiers, plusieurs unités dans la police là. Donc à présent, donc pour installation nouveau et premier ministre là qui est déjà dans villa d'accueil dans minute que n'a parlé là. Donc cérémonie et qui et puis elle a commencé examiner yo donc nous est présence donc à plusieurs donc ministre dans gouvernement et Gary et Conilan nous est que gagné corps diplomatique là qui là donc parce que et conseil présidentiel là il a été voyé et lettre d'invitation by tout membre dans gouvernement et Gary Conilan nous connaît qui est pas premier ministre encore après résolution que conseil présidentiel là t'est prend qui publié dans journal officiel pays là et bien Gary Conilan nous pas remarqué Gary Conilan dans bagage là il était voyé lettre d'invitation et by Gary Conilan donc il y a plusieurs réactions donc qui est faite côté que nous gagnons et tendance syndic de accord Montana côté que li dit raccourci ça que conseil présidentiel transition et côté yo et désigné yo nouveau premier ministre li pral produit donc et plusieurs effets donc demassa donc li et pral aller mener nous directement dans un carreau donc selon Ted syndic de accord Montana il dit que comme solution li relé li mandé avec secteur yo donc quitter signé donc pour qui gen représentant yo nan conseil lan pour que yo convoquer CPT1 là donc pour que yo bay yo l'autre instruction pour que yo réorienter et transition wan, et pour que yo pour transition li même ka réussi donc c'est ça que Ted syndic li même et qui réagit sous antenne radio et magique zami et famille nou yo. Donc a gagné journaliste JPPC donc qui parlait de défaite de Gary Conilan que Mamba CPT en bat Gary Conilan bien bat Gary Conilan donc qui pas connaît politique haïtienne très bien façon que nèg ici fait politique et bien donc Gary Conilan li échoué bien gagné JPPC donc qui expliquer nous qui va non plus détail de ça que nous pral faire autant de donc t'a l'air comme ça. Donc gagné président conseil là donc on est qui c'est Leslie Voltaire de famille parti de famille Lavalas et bien li et formellement donc fait que yo invité Gary Conilan côté que il t'a parlé donc li mandé pour gagner yon passation de pouvoir en douceur et jodi donc dans villa d'accueil côté que nous gagné en pile sécurité donc gain et ministre et Gary Conilan et qui présent donc plusieurs ministres et qui est présent donc dans villa d'accueil et qui vient assister donc ça c'est rentrée de Didier Fizeme donc nouveau premier ministre que on va pas garder sur écran là et nous voit que gagné et nèg qui toujours dit donc pas moyen PM non et Paul Géo donc qui dans toute sauce mettons nous remarquer li dans villa d'accueil et jodi donc peut-être la Levin est supporté et Didier Fizeme pour dire pas moyen Didier Fizeme sinon pays a craser et bien et journée ça Port-au-Prince levé donc en bas en pile coup de balle côté que monsieur Vivant Samio a annoncé qu'il y a bloc pays hein et bien nèg Vivant Samio dans Badelma donc c'est parti du fait que monsieur yo pas metté en pile cartouche nèg yo tiré et nous gagne vidéo côté que nèg l'amour sans jeu de 400 maozo donc yo prend zone et fond parisien dans moment que n'a parlé là donc monsieur gagne vidéo que yo publié pour montrer que zone en bas contrôle yo et gagne pile caille qui gen temps passé en bas et flamme et diffé donc zami famille nou yo donc gen en pile réaction et qui est tombé devant villa d'accueil jodi hein pendant que nous présent mais avant n'a fait autant de déclarations ou bien et opinion et analyse que Gary Pierre Paul Charles les mêmes ni fait qui montrer comment que Gary Conilan lui-même li tombé et sous tête que nega CPT yo bat et Gary Conilan bien bat donc nan bataille politique qui t'est gagné donc entre et primature là avec conseil présidentiel de transition donc trois messieurs qui
inculpé par rapport ULCC dans dossier BNC1, eh bien monsieur Omete ensemble avec un président conseil qui c'est Leslie et Voltaire, ensemble avec Fritz Alphonse Jean qui c'est un couleuvre, qui c'est un vipère, donc monsieur est tellement intelligent, eh bien li jeté Gary Koni, donc monsieur Cyril Codlan dans cou Gary Koni, eh bien donc li pan Gary Koni tombé li pas premier ministre encore, donc entendez. Donc analyse ensemble avec, donc c'est une belle analyse et après nous allons regarder donc réaction yo devant villa d'accueil zami famille yo. Moi crois que je dis a bon problème sérieux. Ouais, problème sérieux. Bon, CPTA moi penser CPTA presque gen bataille la face à Koni. Ouais. C'est-à-dire Gilles Vertilea Smith mettait avec Leslie et Fritz dans bataille qui gagne yo ka aller Koni. Yo bat Koni. Et m'a expliqué pour qui raison. Ouais, pour ça que fait peut-être m'a bavlé l'éditorial. M'a expliqué pour qui raison. Koni pas gain ancrage populaire. Scoop. Koni pas gain tradition de fonctionnement avec les partis politiques. Koni pas maîtriser système politique haïtien. Et finalement, Koni pas gain aucun allié. Allié Koni c'est Nesmi Maniga. Et puis Nesmi Maniga, c'est pas un qui gain parti politique, mais son qui connaît politique, mais Nesmi pas à terre. Allié Koni de loin, c'était 21 décembre, de loin, 21 décembre. Mais CPTA, Gilles Gemoun à terre. Après, vous voyez, Gilles a secoué réseau, même contre moi-même. Ouais? Donc, ça, son compte n'a réglé à part. Et moi, écrit Moschino, ça, hier. Par rapport à ça, Gilles a dit. Vous comprenez? Mais, faut Gilles le connaître. Et moi-même, bah, j'en peux. Ouais? Par rapport à ça, Gilles a dit. Et puis, si Gérald voulait, nous avons face à face. Et puis, le ça, et puis, n'a pas parlé entre nous. Scoop! Parce que même si Moschino a essayé de défendre Gilles par rapport à eux, mais Gilles t'a fait commettre un père grave. Ouais, côté négligé, t'a attaqué, même si ça t'a fait déjà, et puis, nous t'a vu échanger, etc. Même ça m'a dit expliquer là, c'est Gilles Gemoun qui t'a fait des autres. Attention. Scoop! Et sous réseau, et à terre. Et Smith Augustin, li sorti non parti politique ou paquet de jeunes, monsieur récupère un paquet de jeunes et jeunes ça au sur réseau à tout. OK? Et puis monsieur gagne des alliances que le fait avec des mastodontes politiques qui n'ont rien aidé à compromis historique. Scoop. Maintenant Leslie Voltaire, président CPTA, monsieur issu de la famille Lavalas. Scoop. Et m'pat connaît chapeau du Valériste, comme si monsieur était fils du Valériste. C'est dans recherche, parce que pour tempérament, parce que tout le monde pensait que même les gens du secteur privé qui lui sont proches, et certains éléments dans le secteur politique, pensaient monsieur son équipe doux, mais son équipe terrible. Monsieur a utilisé on met de fer pour frapper Koni dans que la gauche. Et Koni est aujourd'hui par terre. Et monsieur, non dynamique de strangulation. Monsieur, comme si vous avez dit, monsieur, dans coma. Koni, dans coma politique. Maintenant, oui, non, oui, monsieur. Fritz Jean,
n'a tourné sur ça. Fritz Jean lui-même, c'est l'élément le plus politique, politiquement le plus dangereux que j'ai connu dans la République. Scoop. C'est-à-dire, c'est un homme malin, un homme qui ne s'assume jamais. Pendant monsieur, met ton code, et puis monsieur a pas de connu, et puis il est vite connu chez lui. Tu vois, il est vite connu. Il dit, connu à Palac, monsieur, et puis monsieur a descendu le code là pour le traquer connu. C'est-à-dire, il faut comprendre l'image que m'a décrit nous. Maintenant, tout ça m'a dit à montrer que Kony, pour qu'on même qu'a réagi. Parce que Fomda, au moins, une réaction. Maintenant, Kony pensait que l'est capable, l'est en position légale, n'est pas capable, selon l'article 37, de retirer même Kony trompé en matière politique. C'est rapport de force. À partir de groupe ça, maintenant, il y a de l'autre bagarre qui vient arriver. Vertilaire, dont vous êtes vous, ils sont en bas nous, et que nous ne pouvons jamais utiliser nous-mêmes. Mais t'es coup d'un son dans la rue. Ok? Que nous pouvons peut-être utiliser Jodia. Vertilaire et Moïse. Moïse, c'est le grand bénéficiaire de Gary Kony. Comme personne. Pas comme Petite Dessalines, non, comme personne. Parce que les artisans de Petite Dessalines n'ont rien bénéficié, n'ont rien reçu du ministre de l'Agriculture, qui est un homme de bien. Hein? Un homme de bien. Le ministre de l'Agriculture, il est venu comme ministre, puis il était comme ministre. Mais Moïse a bénéficié, tout le monde sait. Même si il y a des rumeurs concernant le montant reçu par Moïse, mais tout le monde sait que Moïse avait reçu. Ouais. Avait reçu, n'est-ce pas, de l'argent. Ouais. Recevoir quoi pour question ça même. Mbap vin sous ça parce que il y a trop et complications et trop mêlé mêlé avec des mounes qui s'est amis. Ok. Mbap mette bah, ça de. Non, analyse. Même évoquer. Tenant compte de Samso Dia, toute force a yon réuni, qu'on n'est pas capable. Sorti de Bourbier ça parce que force pour qui t'a aidé Lyon équipe qui a Edgar au moins le 21 non Edgar collectif 30 janvier uh-huh. Pour qui t'a aidé qui gagne OPL là-dedans qui gagne PHTK etc. Ok Moubod etc. équipe ça li échoué avec Gardi Scoop uh-huh. 21 décembre non pour qui t'a capable et bail Kony un coup de main. 21 décembre, divisé en deux parties. Mm-hmm. Une partie a soutenu Gérard Gilles, et qu'on l'autre partie, même si vous ne reconnaissez pas, mais il a soutenu Gérard Gilles lui-même. Et puis qu'on l'autre partie, qui, dehors, qui va soutenir Kony, qui a profité de crise là, pour bénéficier une série de bagages. Ok? Maintenant, Liberus. Sorti un document, il dit, peut-être que nous allons recevoir Yuna Negyo, Patrick Nazéus, qui prend acte. Qui prend acte. Maintenant, scoop. Ça que tu as fait, Negyo, pendant le week-end, non, hésitant, c'est qu'on a, on espérait, c'est-à-dire Negyo espérait, que la communauté internationale, là, qui voyait Gary, qui était soutenu Gary, entre guillemets, t'as sorti une position officielle. CARICOM a préparé position par exemple Vini, mais pas la négo. Et gouvernement américain pas dit rien. Kounia m'apprend et le fait que Amérique n'est pas positionnelle, ça permet négo avancer plus vite. Et ça permet tout, Gary Kony comprendre que vous lâchez. Elle dit, m'a analysé, hein? Que vous lâchez. Maintenant, n'est-ce pas avancé? Andy Gary, pas premier ministre, continue à parler là. Parce que ce n'est qu'une question de temps, question d'installation, etc. Mais il y a un autre problème.
Le problème de Didier Fils-Aimé. Didier choisit sans la consultation des secteurs. Et secteurs, ils ont fait réunion, ils n'ont pas d'accord qu'ils n'ont pas consulté. Donc, crise là, suis-moi bien, pour aller persister si on installe Didier, parce que le secteur n'est pas pour reconnaître. Donc, c'est pété après pouvoir. Mais il faut me dire, nous, crise là, pas durer. Nek secteur, crise là, pas durer. Je les connais bien. Nous les connaissons bien. Ni pas durer. Parce que Didier connaît, Didier Fils-Aimé que connaît, hein? Lui connaît ça pour le faire. Il y a pas de bain nek secteur au ministère, direction générale, et puis tout est fermé bouchon. Tout est fermé bouchon. Donc c'est ça, il ben, faut que impliquer. Il faut impliquer. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de le dire. Malheureusement, Gary ne maîtrise pas les paramètres politiques en Haïti. Il aurait dû sacrifier Dominique. Excusez-moi. Hein? Il aurait dû accepter le remaniement ministériel. Il aurait dû accepter de composer avec le CPT. C'est le point de vue de Gary Pierre-Paul-Charles. Parce que le système politique haïtien est un système qui mange des gens. Si vous pas composé, ou va mourir dans le film. Non. Et c'est sacrifié. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de donner le ministère de l'économie des finances à Fritz Jean qui le réclame à toute tête. Mais c'est de discuter avec Fritz. Alors si on met ton nègre qui des compétences et qui neutre, qui ça le problème là? Parce que c'est vrai, Gary voulait contrôler, par exemple, le ministère de l'économie et finances, pour que Négio pas foué mais au trois fonds. Bon maintenant. Et pas même foué mais au fond. Ou pas là, il y a plein de coups net. Parce que tu as beaucoup quand même, parce que ou c'est premier ministre, beaucoup quand même. Donc, je crois que les conseillers de Gary Conny ne sont pas, ou bien n'étaient pas des gens à la hauteur et qui ne maîtrisent pas les paramètres politiques, le système politique haïtien. Et c'est ça qui arrivait aujourd'hui, hein, qui fait Gary Conny trembler et à genoux par rapport à Negio. Mais ce n'est pas fini. Pas oublier maintenant cette troisième transition, hein? Personne ne battoile et c'est l'écrivain. Depuis on mettait DJ Fusé et un salaire, sont trois ou l'autre transition, et pas même encore. Scoop. C'est pas même encore. Et pas même encore. Ça veut dire, Scoop. L'homme anticipe, me dit nos bagailles, en vain critiquer plutôt de temps d'elle. Il a changé le premier ministre en mettant son autre gouvernement monté, c'est pété à tout gagner l'autre paramètre. Scoop. Mais, Darius, Gary Conny. Pendant monsieur Ate, bat à fait, Mano, gen ou arrêté que CPT a publié. Uh-huh. Côté Kounia, il prend avance rapide. Mais ça le fait, n'a arrêté, lui fait arrêter sans consultation, les billes mettaient DJ Fils-Aimé. C'est même premier coup Edgar t'a fait, là il t'a venu avec le premier ministre, il t'a fait le boel. C'est même ça il aurait fait encore. Kounia, faut Didier faire attention pour que ce n'est pas un coup d'essai que lié pour ne pas tout manger. Nous allons résumer l'arrêté avec. Dario. Avec Dario. Non, c'est. Avec Dario. Oui. Dario. Avec Dario Jean-François. Résumé de l'arrêté. Bon. Et arrêté ça. Qui publie un journal Le Moniteur, au se dit d'ailleurs, numéro 57. Il y a un moniteur qui soutient date 11, mais un moniteur depuis hier qui est dans la rue. Oui. Vous comprenez? Et attention, attention, il faut tout le monde songer. Mano, moi j'ai annoncé résolution, frère, déjà. Vous ne pas songer, je me dis ça? Oui. Moi j'ai dit ça déjà. Oui. Maintenant qu'on y a.
L'emba information fond moi est suivre moi parce que moi pas inventer moi ne fait tous moi dit résolution t'es prêt on mettre le tiroir scoop OK mais t'es qu'on a sorti la timing le timing c'est le week-end et puis négo avancer Darius. Oui, alors et dans moniteur ça gagne publication résolution et puis vont arrêter et résolution faisant choix par consensus du citoyen Alix DJ Fizeme comme premier ministre et puis arrêté nommant le citoyen Alix DJ Fizeme premier ministre. Non, Smith Augustin, lui Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertilaire, Leslie Voltaire, membre votant, Régine Abraham et Frinel Joseph, membre observateur sans droit de vote du Conseil présidentiel de transition, réuni ce vendredi 8 novembre 2024 au Palais national, avons fait choix par consensus du citoyen Alix Didier Fizeme comme premier ministre. Scoop. La présente résolution sera publiée et exécutée aux fins de droit, donnée au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance. Ça, c'est pour résolution. Maintenant, pour l'arrêté, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que par résolution en date du 8 novembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a fait choix par consensus du citoyen Alix Didier Fizeme comme Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer le Premier ministre, arrête. Article 1. Le citoyen Alix Didier Fizeme est nommé Premier ministre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition. Et faut nous dire que arrêté ça, GPPC, Mano, les siens, pas presque tous les conseillers, c'est seulement Edgar Leblanc-Fils qui est même pas paraffé arrêté cela. Donc, la scène politique haïtienne est actuellement le théâtre d'une guerre de pouvoir sans précédent entre le Conseil présidentiel et le Premier ministre Garry Conille. Ce bras de fer ouvert, marqué par des tensions croissantes et des décisions controversées, met en lumière les défis institutionnels et politiques auxquels le pays est confronté. Le refus de Garry Conille de procéder à un remaniement ministériel, de sacrifier son ministre des Affaires étrangères, invoquant l'exécution de 2 mois de budget et l'implication de 3 conseillers, a déclenché une série d'événements qui ont culminé avec la publication d'un arrêté de révocation que Darius Sotlipounois. Cette décision, perçue par beaucoup comme un coup fatal à la primature, a été immédiatement dénoncée par Conille, qui a qualifié l'arrêté d'illégal et a affirmé ne pas reconnaître cette décision. Manuel Yves. Bon, dénonciation ça à travers une lettre aux compatriotes haïtiens. Le Premier ministre, il dit c'est avec un profond sens de responsabilité et un respect absolu des principes juridiques que je m'adresse à vous aujourd'hui à la suite de la décision prise en date du 7 novembre 2024 par le Conseil présidentiel de transition. La décision concerne mes fonctions de
Premier ministre, cette résolution prise en dehors de tout cadre légal et constitutionnel soulève de sérieuses préoccupations sur sa légitimité et ses répercussions sur l'avenir de notre pays. Je tiens d'abord à souligner que cette décision contrevient directement à la fois à la Constitution et au texte qui régisse la période de transition. L'article 158 de notre Constitution stipule que le Premier ministre est responsable devant le Parlement et que seule une démission ou une motion de censure du Parlement peut entraîner la fin de ses fonctions. Scoop. En aucun cas, le Conseil présidentiel, même dans le cadre de ses fonctions transitoires, ne peut se substituer au Parlement ni exercer un pouvoir qui ne lui a pas été attribué. De plus, bien que le Conseil présidentiel ait la prérogative de nommer le Premier ministre, aucun texte légal ne lui confère le pouvoir de le renvoyer. C'est là qu'a parlé. L'accord du 3 avril et le décret du 27 mai 2024 qui organise la transition définissent clairement les procédures de gouvernance, mais ils ne permettent en aucune manière au Conseil de transition de mettre fin, nous citons, unilatéralement aux fonctions du Premier ministre. L'article 37 du décret qui régit l'organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition est explicite. Explicite, nous citons, en cas de déficit de gouvernance documenté et présenté par l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, le Conseil présidentiel de transition met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation de sa démission. Par conséquent, la décision du CPT prise en dehors de ce cadre, constitue un abus de pouvoir et une forfaiture qui porte atteinte aux principes de notre démocratie. Scoop. L'être Premier ministre qui a parlé à compatriotes a continué. Je rappelle qu'il ne tient aux membres du CPT d'approuver et de mettre sur pied l'OCAG. Nous traversons actuellement une crise profonde et d'une urgence extrême. Haïti fait face à des défis colossaux. Des gangs qui contrôlent une grande partie de la capitale. Une insécurité généralisée qui frappe la population. Une crise alimentaire qui touche durement les plus vulnérables. Et des milliers de familles déplacées. Je suis fermement convaincu que seul le chemin pour sortir de la crise actuelle est le respect de l'accord du 3 avril 2024 qui a permis l'établissement de ce gouvernement de transition et qui propose et qui repose sur les principes de dialogue, de concertation et de responsabilité partagée.
tentative de déstabilisation institutionnelle. À ce moment précis, n'est rien d'autre qu'une manœuvre qui affaiblit encore davantage notre pays et compromet gravement nos chances de surmonter cette crise. En tant que Premier ministre, mais avant tout, en tant que citoyen haïtien, je choisis par patriotisme de ne pas répondre à cette situation par la division, mais plutôt par la voie de la responsabilité. Scoop. Je reste attentif aux secteurs politiques et sociaux qui, selon l'accord du 3 avril, détiennent la légitimité pour guider la transition. Avec eux, je suis prêt à poursuivre ce combat pour la stabilité de notre pays, à défendre la légalité et à contester toute action illégale motivée par des intérêts politiques étroits qui ne font qu'ajouter à la souffrance de notre peuple. Je reste déterminé à continuer à travailler de manière constructive en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays et à soutenir tous les efforts visant à restaurer la paix et à assurer une gouvernance démocratique, transparente et inclusive. Que Dieu bénisse notre pays et nous guide vers un avenir de justice et de paix et de prospérité. Scoop. Vive Haïti. C'était donc la lettre adressée au peuple haïtien par le Premier ministre Gary Conille. Et le Premier ministre, dans sa lettre, a expliqué que il est en train de subir un coup d'État classique. C'est ça, M. Vladi, là. C'est un coup d'État classique. Mais parallèlement, la nomination de Didier Fils-Aimé pour occuper la primature ajoute une nouvelle dimension à cette guerre ouverte. Fils-Aimé, un ancien candidat au Sénat, membre du secteur privé des affaires, se retrouve au cœur d'une tempête politique qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la stabilité du gouvernement et l'avenir de notre pays. En ce sens, nous allons recevoir, et comme première réaction aujourd'hui, donc c'était Gary Pierre-Paul Charles en réaction que il fait sur révocation donc de Gary Conille. Donc nous connaît que Gary Pierre-Paul Charles donc il était vraiment et très et proche de Gary Conille, surtout nous ouais dans déplacement Gary Conille dans Nations Unies. Gary et Gary Pierre-Paul Charles était là dernièrement, là il était fait une interview avec avec Gary Conille. Donc et Gary Conille donc tu fait déclaration surtout sous question et sous question de trois messieurs qui impliqué donc dans scandale BNC. Il demandé avec CPT1 donc pour que li mette nèg sa yo de côté et bien nèg yo mette ensemble yo JT et Gary Conille. Donc on a regardé quelques réactions et qui fait devant villa d'accueil aujourd'hui pendant que cérémonie les mêmes et a pas continué. Donc cérémonie d'installation nouveau premier ministre Didier Fils-Aimé donc qui villa d'accueil non ouais que gagné chef police là et Ramon Omil ensemble avec chef mission Godfrey Otingé, chef mission Kenya force multinationale là. Donc qui publié une note qui réaffirmé volonté que yo gagné pour supporter force et pour supporter police nationale là dans bataille contre et gang yo et contre monsieur Vivant Samyo. Donc nous que Vivant Samyo, monsieur Vivant Samyo a frappé red jodi an là, mais nous pas ouais présence et monsieur Kenya yo, mais jodi an yo ran yo dans villa d'accueil côté et nous voyons que en pile haïtien joué monsieur yo bien joué. Donc n'a faut attendre comment et ça y est devant villa d'accueil que nous présent
et pour nous porter dernière image pour vous. Merci les membres de la coalition nationale, des signataires des accords du 11 septembre et du 20 décembre. Son victoire totale pour le peuple haïtien. Là, nous prenons un homme d'un pouvoir économique, il n'a pas réglé rien. Depuis que je suis venu, c'est conflit. Monsieur Debé paye dans une situation qui est vraiment difficile. Monsieur Debé demande la police dans une situation difficile. La presse, je crois que la présence du nouveau PM, ça veut dire quelque chose. Dans les jours à venir, nous n'avons pas. Seulement, je félicite les membres du conseil présidentiel qui prennent une initiative pour sortir les résolutions. Nous aurons le tabac. Est-ce que ça te dit pour Colli, David? Nous te dit deux bagailles. C'est soit Colli coupe tête CPT ou bien CPT a coupé tête. Est-ce que nous considérons ça comme une victoire aujourd'hui? Bon, c'est une victoire. Et pour Colli, Colli va dire que c'est une victoire de vous. Le peuple a essayé de tout ça. Bon, peuple a un bon dirigeant, ça qu'on dit. Ça veut dire Alix, c'est bon dirigeant. Alix, tu te fais un esprit de confiance. La préchance avec ça, beaucoup, on fait expérience. Ça veut dire que vous ne pouvez pas une préchance seulement. Ah non, la préchance. La préchance, c'est un peu. Ça, peuple a fait de tout cela. Donne la préchance. Merci beaucoup. Donc plusieurs déclarations donc qui est faite et villa d'accueil et dans moment que n'a pas parlé là et zanmi nou yo donc dans moment d'installation et eh bien et Didier donc c'est lui même qui remplacer donc un gars Riconi là dans minute que n'a parlé donc est-ce que après installation ça donc ou bien avec est-ce que après installation ça avec nouveau premier ministre là donc est-ce que Libéral continuer avec un ministre que Gary Koni donc t'es gagné dans le gouvernement ou bien est-ce qu'il va le changer donc pas oublier que concernant donc t'es gagné un gros problème avec madame Dominique Andipuy donc surtout madame Dominique Andipuy dans position que l'était prend et contre Abinadel contre gouvernement et dominicain dans déportation massive que t'a fait sur haïtien et 10 000 haïtiens par semaine donc madame nan t'es gagné une position qui claire dans plusieurs démarches que l'était fait. Donc Leslie Voltaire donc a été demandé et révocation li pour remplacer là donc c'est ça qui fait que et Gary Koni là on a parlé là il pas premier ministre encore parce que n'a été demandé pour faire remaniement ministériel pour te remanier donc remanier et gouvernement que Gary Koni lui-même il pas accepté et Gary Koni tout et il t'a demandé démission trois monsieur Sayo qui dans dossier BNZ et gain yon monsieur yo qui dit que c'est Gary Koni donc qui derrière tout qui derrière tout scandale ici là et bien donc résolution ça qui prend donc en dehors de normes de accord 3 avril là donc selon accord 3 avril là donc monsieur yo t'est supposé gagner organe ça qui c'est OCAG c'est devant et institution ça ou bien devant organe de contrôle et gouvernemental là que et document et pour démission de premier ministre là donc a dû passer ces entités ça donc était supposé donc et fait constat yo donc pour que premier ministre pas capable résultat et bien donc pour entamer donc question de démission donc en premier ministre là donc ministre ça yo et pour te faire démission donc qui et pour te entamer donc et démission premier ministre là donc organe ça li est pas crié donc il y a un paquet organe que accord là lui même ni parler que monsieur conseil présidentiel yo pas et mettez yo en place conseil de sécurité nationale n'yo pas mettez li en place et tout et gain pour à cause ça qui était supposé publier donc dans journal le moniteur yo pas jamais publié li et bien nex CPT auto te gagné document pour te remettre pour que yo te wè si yo te éligible pour que yo vini yon conseiller présidentiel
eh bien n'ego pas jamais remettre un document ça. Donc c'est une pile question qui t'a posé, est-ce que t'a remettre lui parce que n'ego déjà président, donc il va quoi OK t'a remettre lui, et vraiment il a pas déposé document ça. Donc il y a un paquet d'irrégularité donc qui fait donc la transition qui pas respecté depuis le commencement, question de majorité selon accord 3 avril lancé 4 sur 3, eh bien n'ego t'a pris une résolution donc entre yo et pour que vous gagnez une majorité de 5 et sur donc en 5 sur 2 et tout vous devine venir avec la question de président tournant là. Donc c'était résolution sur résolution qui était faite en dehors de accord 3 avril là. Donc malgré que Gary Colin t'a demandé monsieur pour respecter donc accord 3 avril là, et bien force politique là les plus fort que et Gary Conny, et bien Gary Conny, il est tombé, il n'est pas premier ministre encore dans la minute que n'a pas parlé là. Et bien donc c'est Didier Fils-Aimé, donc de Unité, et c'est monsieur et de parti politique Unité, donc c'est lui-même qui c'est nouveau premier ministre pays, donc amis et famille. Donc j'espère que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. C'est que vous à peine tombé sur channel ça, pas oublier abonner, peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo, pour pas venir faire partie de famille à Noël Kaya. Et nous saluons tous les amis qui peu partout dans mode qui et toujours bah nous love là, qui apprécie avec une affaire qui t'a moi-même après jour moi dans prochaine vidéo qui apparaîtra sur écran, que moi invité ou cliquer connia.